Comment Frédéric a fait pour t'amener ici là? Tu as dit que toi-même tu viens, dis-nous. Non, il m'avait dit, je lui ai dit justement que je viens. Tu es seulement venu aussi? Je suis seulement venu. Je suis fier d'assister pour partager aussi. Pour c'est quoi veut dire partager, frère? Partager signifie faire partager la parole de Dieu. Ça veut dire échanger. C'est pas changer, mais échanger. Donc c'est donc tu me donnes. Donne-nous quelque chose, frère. Donc il ne veut pas partager. Frère Joseph, est-ce qu'il veut partager? Il est venu pour recevoir. Il est venu pour recevoir, pas pour partager. Parce que partager, ça veut dire qu'on se donne les uns les autres. Le frère Joseph nous a donné les songes jeudi, enfin le songe hier. C'est hier, nous avons travaillé dans la nuit. Et puis il a parlé des songes sur le préservatif. Ça nous a béni, pas vrai? Donc il a, on a partagé. On lui a donné la parole, il nous a balancé le préservatif. Donc le frère il quitte de Bruxelles. Vous êtes à Bruxelles, c'est ça? Donc il est venu partager, il est venu qu'il m'en veut recevoir. Mais il vient ici, il me dit qu'il vient partager. Des questions? Quel est le suivi, le temps? Comment on va partir prier là? Le frère, ce n'est pas le moment de parler de cette brèche là qui... Non, ce n'est pas le moment, c'est ce maquette là. C'est à vous qui avez dit qu'il venait parler, c'est à maquette là. Vous allez attendre en différé. D'autres amis, ils tournent de lui à la chine à moi. Non, mais il y avait une brèche par rapport à... Non, je sais, c'est moi qui ai parlé, non. Ce n'est pas ton message. Mais vous avez vu ça dans la Bible, non? Qu'il y a une brèche. Lisons cela et puis je vais encore poser bien la problématique. Matthieu chapitre 25. Non, je suis serviteur de Dieu. Je prêche la parole. Je suis envoyé. Tu as fait comment? Je suis allé à l'école de théologie. Vous me parlez. Je suis allé me former. Je suis allé me former. Pour être un grand formé. Matthieu chapitre 25. On y va, mes frères. La sœur, elle a des visions. Vous avez remarqué depuis là, elle n'a pas bougé de sa position, non? Si ce n'est pas les visions qu'elle reçoit, je ne sais pas. Matthieu chapitre 25. Ok. Chapitre 25, lisons à partir du verset 31. Nous allons lire doucement. Je veux qu'on lit doucement et puis je vais poser des questions. Plaise au Seigneur. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Vous avez entendu le principe, n'est-ce pas? Toutes les nations seront assemblées. Où ça? Devant lui. Devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres. Les uns d'avec les autres qui se parlent se trouvent dans quelle foule? Dans les nations qui sont devant. C'est ça, non, frère? Okay. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez m'arrêter alors là. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Donc, il y a les brebis, il y a les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Je crois que vous avez lu ce passage plusieurs fois, pas vrai? Vous allez voir quelque chose. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes. Vous avez vu le mot? Oui. Donc, Aaron, on les appelait quoi? Les brebis. En bas, on dit qui? Les justes. Les justes lui répondront, Seigneur, tant avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité. Écoutez bien maintenant, c'est ça qui est le problème. C'est ça le vrai problème ici. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ça, c'est un problème. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui se trouvent déjà avec lui. Vous voyez là, n'est-ce pas? Mais pourtant, on a dit que quand il va venir s'asseoir sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront devant de lui. Il va séparer les brebis avec les boucs. Les gens, ceux qui les met à la droite en disant prenez possession du royaume, ils sont surpris. Pourquoi on leur donne le royaume? Oui. Entrer dans le royaume. Oui, oui. Il dit, pourquoi tu nous donnes le royaume? Il dit que c'est quand j'étais malade, j'étais à manger, vous avez dit. Et on a fait ça quand? Il dit, quand vous,
vous avez fait ça à ces petits de mes frères. Mmh. Alors il y a ces frères qui sont cachés quelque part. Oui. Vous avez vu cela? Oui. Ceux-ci ont fait quelque chose. Mmh. Voilà la brèche. On va y revenir. Que Dieu vous bénisse. Mmh. Vous avez vu? Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Mmh. Mmh. Ah, avant quand c'était mélangé, on se disait les brebis. Bon, bon, si c'est les brebis, donc ils ont les questions. Les brebis sont supprimés. Ils ont fait du bien, certainement. Oui. Et les brebis ont fait du bien à qui? Puisque tous sont là devant lui. Mm-hmm. Vous voyez cela? Donc il y a le silence des dieux qui regorge des révélations. Amen. Et là, ils viennent de révéler qu'il y a quelque chose à, quelqu'un à côté de lui. Mm-hmm. Le son 45 dit clairement que ça, la reine était assise à sa droite. Amen. Alléluia. Tu vois ça? Ok. Chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de mes frères, mm-hmm. c'est à moi que vous les avez fait. Donc, ce n'est pas eux qui sont ses frères. Mm-hmm. Ses frères sont là. Ceux-ci ont fait du bien à leurs frères. Est-ce, est-ce que leur vie. Non, ne t'inquiète pas, ne pose plus les questions dessus. On va dire cela. Est-ce que leur vie était conséquente? Il n'y a pas ça dedans. Mais c'est l'action qu'ils ont posée à ces frères-là qui compte. De toute façon, c'est sans commenter. Donc, on va revenir sur ça sur la page. Mmh. Des questions, mes frères? S'il n'y a pas de questions, on prie, on déjeune. Joseph et moi, on va faire un retour de l'autre côté. Vous êtes les bienvenus, je suis ravi. Je crois que si le Seigneur permet, la prochaine fois qu'on va venir, on va prendre au moins une semaine à Bruxelles. Il faut qu'on travaille. Les gens qui sont là, vous avez déjà invité, on invite, on parle de ces choses. C'est d'abord que le royaume de Dieu soit établi sur les cœurs. Et puis on prie pour les malades, pour tout, si nécessaire, si le Seigneur permet. Mmh. Mais le plus important, c'est cette parole, ce qu'on entend. Mmh. C'est cette parole, ce qui est plus important que les dons, que les guérisons et tous les autres là. Mmh. Vous voyez? Mmh. Voilà. Parce que même si tu mets avec la maladie, quand tu traverses de l'autre côté, il n'y a plus de maladie là-bas. Mmh. Mmh. Mais si tu traverses de l'autre côté sans la parole, tu es fini. Mmh. Voilà. Il a dit, Seigneur, les reins de votre entendement, quand on vous jugera selon la mesure dont vous serez chéri, par rapport à cette parole. Mais il n'a pas dit, Seigneur, les reins de votre guérison. Ouais. Des questions? Ouais. Bonjour à Namur. Bonjour. Bonjour à la cuisine. Bonjour. Voilà, vous entendez quand même, non? Oui. Voilà, il y a les amis de l'épouse. Vous voyez, ils sont en train de préparer comme Marthe. Mm-hmm. Vous avez vu, non? Marthe était à la cuisine et ça ferait. Et Marie était au pied de Jésus. Au pied de Jésus. Vous pouvez prendre la bonne part. Mais après Jésus, Christ, quand même manger la nourriture que Marthe a préparée. Ouais. Il n'a pas rejeté ça. Mm-hmm. Mais Marthe avait choisi la bonne part. Elle a choisi la bonne part. Il dépassait la nourriture. Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. Il dépassait la nourriture. Mais tu dis que Jésus a mangé la nourriture de Marthe. Mais il a compris. Parce que si Marthe restait aussi là comme ça, on devait manger quoi après? Ah, c'est ça. Hein? Toi, un jour, Jésus a dû venir péter. Jésus a failli péter un câble. Un jour, quand il est sorti, il avait faim. Il a dû maudire un figuier. L'explication de ça aussi, c'est quoi? Quoi? Le figuier qu'il a maudit là. Oui. Parce qu'il y a une explication. Non, mais Dieu, il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Il est Dieu. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Parce qu'il est Dieu. Il a le pouvoir de perdre. Il a le pouvoir de. Dès qu'il prend ses choses avec lui. Allez. Donc, Dadon souvent l'esprit que Jésus-Christ avait pété un câble parce qu'il avait faim. Donc, pour l'instant, c'est pour ça que tu vas dire. Il fait ce qu'il veut. On risque de péter un câble ici si on a faim. Donc, mieux, on laisse. Il veut dire ça au potier. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, on peut arrêter, n'est-ce pas? Si on arrête là, c'est le matin. Il a encore des questions. Ok, posez donc des questions. Si on arrête, c'est le matin. Il a trouvé son téléphone là, il a encore des questions. Sentez-vous libre. Parlez de votre question. Parlez. Je suis là en chair à nous avec vous. Posez les questions que vous pouvez poser avant qu'on se rencontre sur les réseaux sociaux. Dont les connexions ne viennent pas souvent comme par. On est là, il n'y a pas d'interférence ici. Oui. Mmh. Posez maintenant que je. Parce que ce que j'avais sur mon cœur est sorti, peut-être que d'autres sentaient fouiller dedans. Que Dieu te rappelle encore. Mmh. vous voyez le problème de la Bible, les appelés, les élus, les fidèles. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Oui. Tu es quoi? Je suis un serviteur de Dieu, tu es quoi? J'ai été élu avant la fondation du monde. Dans quelle catégorie? On ne connaît plus. Non, je crois que les fidèles, les élus sont les mêmes choses. Non, les mêmes choses. À cause des élus, ça sera abrégé. Hey! Il y a plusieurs appelés, peu d'élus. Ça peut être, c'est la même chose, frère. Le même sujet que tu t'appelles fidèle. Ça ne veut pas dire que tu appartiens au camp des filles, des fidèles. Ok, donc fermons la Bible alors, puisqu'il n'y a plus de questions. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vous le changez le nom en croyant qu'en changer le nom, ça va changer quelque chose. C'est pour ça que tu vas voir quelqu'un qui s'appelle innocent. Bien qu'il soit innocent, il est le plus coupable devant Dieu.
prophète des nations. Tu as fait des prophètes des nations. Prophète des nations. Chassons par-ci, par-là, prophète des nations. Frère, oui. Luc chapitre 13, là. S'il vous plaît, on va voir Luc chapitre 13. Je ne sais pas vraiment. Oui. Ça parle de qui et de quoi. Il parle du vigneron qui allait. Bon, on peut aller là-bas directement. C'est ça que tu devais dire depuis. Luc chapitre 13. Parce qu'il avait donné un temps. Il avait donné un temps. Qu'il doit produire, on doit lui donner la production. Oui. Mm-hmm. S'il ne faisait pas ça. Et l'option coupée. Oui. Mm-hmm. Il veut qu'il y a quelque chose dedans que je veux comprendre. Mais le frère, c'est cherche le mystère. Il est venu soulever le cabas. Regarde ce qu'il a dit. Vas-y, lis alors, tu vois, tu soulèves. Il y a le Frédéric là-bas. Il y a Frédéric Maillot, Frédéric Meyer. Ils vont te donner le mystère maintenant, tu vas voir. Au début, c'est les guérisons des démoniaques. Tu vas chercher quoi avec les démoniaques. Ça va, Aurélie? Ok, verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva plus. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. De qui il parle? De qui il s'agit? Qui, dans quelles conditions? Qui? Celui qui, à qui on appelle Seigneur ou bien celui qui est. Non, le vigneron. Il s'agit de quoi en fait? Voilà, c'est la question qu'il faut poser. C'est que dans le général, on parle de quoi ici? Il faut qu'on commence à regarder les noms et on cherche la définition de la Bible. Commençons de le début en verset 6.